ici, c'est la maison sculptée. En fait, on pourrait dire la maison gravée, parce que la façon dont j'ai interprété les sculptures sont plus des gravures des murs ou des gravures de surface. Pour moi, cet endroit, c'est beaucoup, mais c'est un endroit de vie. Hein. Expliquer, c'est pas facile, parce que l'émergence de la sculpture provient d'une espèce de symbiose entre le matériau et moi. Tous les êtres humains ont un psychisme extrêmement développé. Et ce psychisme fait ressortir tout l'imaginaire qu'on porte en nous. On porte l'imaginaire en nous. Seuls les artistes peuvent ressortir cet imaginaire d'eux-mêmes. Donc l'artiste est celui qui fait de l'incompréhensible sa force, son quotidien. Mon nom, c'est Jacques Lucas. Je suis né il y a bien longtemps. L'art, effectivement, c'est l'expression de l'imaginaire. Donc l'expression, c'est l'action. S'exprimer, c'est agir.